Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Let's... Pas du tout, Legend, ça allait dire Let's Go, mais pas du tout. On est dans une autre époque là, qu'est-ce qui se passe? Allô, le mec oublie carrément sur quel jeu il est. Ça m'a perturbé parce que le son était très très fort dans mes oreilles, j'avais l'impression de me crier dessus. Salut toi. On doit poursuivre nos recherches au Marais Carmin, est-ce que t'es prêt? Non, je suis pas prêt pour plusieurs raisons. Déjà, je voudrais juste voir. Alors, comment ça se passe? On a de la place sur nous. Est-ce que j'ai pas des petites pépites à vendre? Voilà, c'est ça que je voulais voir. Et des morceaux étoiles. Tac, ça, je voulais vendre. Très, très bien. Ça, c'est parfait. On va pouvoir vendre tout ça à la boutique. Et juste avant, on va pouvoir se créer aussi d'autres morceaux étoiles, si je dis pas de bêtises, avec les poussières d'étoiles. Let's go, on va se faire ça. Tuk, tuk, tuk. Alors, les morceaux étoiles, où sont-ils? Pourquoi je peux pas? Ah, il nous manque des tessons bleus. Bah écoutez, c'est pas grave. On va déjà vendre ce qu'on a besoin en boutique et ce sera déjà pas mal. Bonjour Sika. Hop, je voudrais vous vendre des petits trucs, notamment ça, voilà, pour avoir un petit peu d'argent. Et les 4 morceaux étoiles, ce qui est plutôt pas trop mal non plus. Voilà. Plutôt très très content de ça. Ce qui fait que là, on a suffisamment de petites boules. On va racheter encore des boules comme ça, parce que j'ai compris que ce serait décisif dans notre vie par la suite. On va avoir besoin d'énormément de petites bouboules. Des bouboules qui font que les gens sont apaisés. Parce que, pour les apparitions de masse, ça risque de faire mal. Hein. Mais en tout cas, les méga-apparitions... Alors apparemment, ça bouleverserait la manière dont on reset les shiny. Vous saviez que jusqu'à maintenant, il y avait une manière de reset les Pokémon Shiny pour avoir de la chance d'avoir un Shiny dans une horde. Et bien apparemment maintenant ça a changé, ça a évolué, ce n'est plus pareil. Et donc un petit peu triste, mais c'est pas grave, on peut toujours reset les méga apparitions en soi. Nous verrons ça. En tout cas, let's go, je vous propose de nous rendre sur la suite de notre aventure. On doit poursuivre nos recherches au Marais Carmin. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Let's go madame, parfait. Dans ce cas, en route pour le bivouac du Marais. On y va, on avance. J'imagine qu'il va pleuvoir. Voilà, il pleut, comme par hasard. J'ai entendu dire qu'il y a également une méga apparition dans le Marais Carmin. Essayons de savoir si elle est différente de celle des plaines obsidiennes. Bien le bonjour, cher ami. Réjouissez-vous, je suis enfin là. Camille, tu nous saoules. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cru comprendre que vous enquêtez sur les... Comment ça s'appelle déjà? Oui, les méga apparitions. Vous avez de la chance, car j'ai déjà résolu le mystère. Il ne reste plus qu'à réunir des preuves. C'est incroyable! Bien joué, Camille. Vous voulez donc savoir pourquoi les Pokémon se rassemblent mystérieusement sous la pluie? Eh bien, c'est très simple. Allez, dis-nous. C'est pour vénérer le grand Camille. Ouais, ok. Bon, allez, continuons nos affaires parce que là, ça va pas fonctionner. Hein. Eh bien, ça vous étonne? Les Pokémon ont compris ma valeur au sein du clan Diamant. Qui donc soutient Adam en toutes circonstances? C'est moi. Et pour vous motiver à prouver cette brillante théorie, laissez-moi vous offrir un cadeau. Le prix Camille pour vous encourager. Accepte ces becs Gowav. Elles sont rares à Isui. Rends-toi compte de l'honneur que je te fais. Vous recevez 20 becs Gowav. Une baie qui restaure jusqu'à la moitié des PV max du Pokémon qui la mange. Elle immobilisera momentanément un Pokémon sauvage qui n'aime pas les aliments amers. Ok. Et si ces Pokémon attendent les averses pour se réunir, c'est sûrement car cela
permet de cacher leurs larmes de joie lorsqu'ils me voient. Sur ce, je dois malheureusement vous laisser, le devoir m'appelle. Adieu. Adieu, Camille. Ok, ok. Dire qu'il était timide quand il était petit. Un jour, il a décidé de changer pour prêter main forte à Adamantin. Je suis contente qu'il soit moins coincé, mais il en fait peut-être un peu trop. En tout cas, je me demande où il a bien pu trouver ses baies. Gouin ! Gouinfrex, t'as mangé les baies ? Gouinfrex vous a pris 5 baies goaves et les a mangées. Gouin ! Oh, on dirait que ta carte magique a encore réagi à Gouinfrex. Et donc là, le fait de lui avoir fait manger des baies fait que, eh bien, on a des Pokémon. On a les Pokémon. On connaît les Pokémon qui apparaissent dans le Marais Carmin. Et ça, c'est plutôt assez intéressant quand même. Et donc là, on voit qu'on a des trucs qui brillent. On va avoir Sac de Nœuds et on va avoir Manzai qui brille. Donc je vous propose de mettre là. Alors, le fait que ça brille, c'est pas qu'il y a plus de chances que ce soit shiny. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plus de chances qu'il y ait ensuite une seconde apparition qui soit faite de baron ou d'évolution, enfin quelque chose dans le genre, de ce que j'ai compris. Lorsqu'il y a une baie, si je dis pas de bêtises, ça veut dire que les Pokémon ont plus tendance à nous dropper des baies lorsqu'on les capture. Donc les baies qu'a consommé notre Gouinfrex. Voilà, voilà, en gros. Bon, on va aller sur les sacs de nœuds juste ici. Regarde, non seulement on peut voir chaque endroit où se manifestent les méga-apparitions, mais en plus on sait de quel Pokémon il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire, Gouinfrex ? Gouin ! Si vous donnez des baies Goav, le Gouinfrex de Risa pendant une méga-apparition, vous pourrez savoir quelle espèce de Pokémon... Une icône brillante de Pokémon indique un lieu où se déroule une apparition massive spéciale. S'il y a une icône de baie, cela signifie que vous aurez une chance de récupérer des baies Goav. Celles-ci seront très utiles pour vos recherches sur les méga-apparitions. Très bien. Est-ce qu'il faut que tu manges des baies Goav pour qu'on obtienne ces informations ? Gouinfrex, qu'est-ce que tu essaies de nous dire au juste ? En tout cas, je pense qu'on devrait aller inspecter au moins 3 endroits de la méga-apparition dans le Marais Carmin. On pourra ensuite la comparer avec celle des plaines obsidiennes. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc s'envoler jusque là. On va d'ailleurs plutôt s'envoler jusque là. Et on va passer par là, là et là, juste pour checker si les Yanma, etc., les 4 premiers Pokémon de ces apparitions sont potentiellement shiny. Comme ça, ça nous permet d'aller dessus. Alors, il faut savoir qu'il y a moins de chances de trouver un Pokémon shiny sur des méga apparitions que sur des apparitions classiques. Voilà, ça c'est le... Que sur des apparitions massives classiques. Donc voilà, donc là, on a vu que les Oursaring, boum, ils sont pas shiny. Donc du coup, hop, on va continuer par là. On va ouvrir la map. On va aller juste tranquillement checker les Yanma. Hop, c'est par ici. Let's go. Les Yanma, on sait pas, hein. Au hasard, peut-être qu'il peut y en avoir un shiny par ici. C'est pas le cas. Hop. On va ensuite se rendre vers les Moufouettes. Touk, 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 qui sont... Où est-ce qu'ils sont, les Moufouettes? Ils sont par là-bas. Hop. Oh, par contre, on voit rien avec ce... Avec cette tempête, là. C'est très, très compliqué. Les Moufouettes qui sont juste par ici. Ok. Et donc maintenant, on va donc aller faire réellement les Manzai. Juste là. Hop. C'est parti. Alors attends, parce que là, ça ne va pas. Hop, on vole. Touk. On voulait pas se faire voir par les petits monsieur. Alors, j'ai Hyper Ball et j'ai Boule Gluante. C'est parfait. On a les Manzai par ici. Alors, les Manzai, je crois qu'ils nous fuient, si je dis pas de bêtises. Et Simularbre, il nous fuit pas. Donc, ça va.
Ok, donc là ça nous fuit. Là ça nous fuit encore. Je crois que le poteau. Oh là 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 là. Ok. Ok, bon, il va se barrer. Il va se barrer. Il nous a vu, il va se barrer. J'ai l'impression que la zone pour avoir une apparition massive est beaucoup plus réduite par contre. Ok, lui il est parti. Lui, on n'a pas réussi à l'avoir, c'est pas très grave. De toute façon, l'idée, c'est pas forcément de tous les capturer. C'est de réussir à terminer plusieurs apparitions. Donc là, ça risque d'être assez simple parce que ils vont se barrer assez vite. Il faut juste trouver où est le dernier Manzai de cette apparition. Dernier Manzai ou Simularbre. Ils ont dû partir. Ils ont dû partir. Ah, il y en a un là. Voilà, il est là. Bam. Et on le récupère. Et donc là, ça veut dire qu'on a terminé, en soi, cette apparition massive. Mais derrière... Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui pop ou pas? Vous sentez la présence d'une nouvelle horde. Voilà, vous voyez, il y a une nouvelle horde. Il y a une nouvelle horde, cette fois-ci, qui est avec des simularbres. Une horde de simularbres. Hop. Et on va pouvoir également tout simplement lancer sur eux des petites Pokéballs, essayer de les capturer. On y va tranquillou. Hop, ça c'est fait. Hop, on le capture. Lui là-bas, il va se barrer. C'est pas très grave. Il y a un Torterra là-bas, j'ai pas de Torterra je crois. Les Pokémon qui signalaient ont disparu. Très bien. On va se rendre sur les sacs de nœuds. Let's go. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les sacs de nœuds? Ils sont par là-bas, ils sont pas très loin. Let's go. Hop. Hop. Guéri-aigle. Amène-nous au sac de nœuds. Juste là. Alors, regardons. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là-bas. Ah, ils sont là-bas. Je me disais bien. Ce sont les Pokémon qui ont été signalés. Ok, ils ont l'air un peu plus simples à leurrer, a priori. Pas forcément besoin d'utiliser une bombe gluante sur eux. Ça a l'air d'aller. Hop. On continue. Alors attention, là ils nous ont vus. Donc à partir du moment où ils nous ont vus, là c'est parti. On passe en mode bombe gluante. Hop. Bombe gluante également. On a capturé. Et on a terminé cette méga apparition. Et donc du coup il y a une autre méga apparition là qui va... qui continue. Et là, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est carrément des boules de nœuds qu'on a par ici. Je pense que là, ça va toucher l'arbre. Non, ça va. Ok. Bien. Voyez, on peut se cacher tranquillou. Et ça marche très très bien avec les boules gluantes suivies d'une hyperbole. Ça permet d'être plutôt safe. Hop. La boule gluante. L'hyperbole. Hop. La boule gluante. L'hyperbole. Et on n'est pas trop mal sur cette apparition massive. Ok. J'aimerais bien juste me TP et aller voir les spectrums pour voir si potentiellement... on peut tenter de faire les spectrums avec les baies. Alors attention, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Je crois qu'ils nous ont dit un message comme quoi ça allait bientôt se partir. J'ai l'impression que c'était ça. On va essayer d'être assez rapide. Ok. Hop. Alors attends, hop,
Poteau. Là, c'est fait. Là, c'est good. On capture. Attention, je vais plus avoir d'hyper ball. On va vraiment le faire à la Pokéball maintenant. Ça va être vraiment autre chose. Ok. Ok, poteau. Attention à pas mourir hein, non plus. Ok, on a évité. On a évité encore. On est bon. L'averse s'est arrêtée. Et normalement, on a réussi cette apparition massive. Je sais pas si elle compte ou pas. Le fait qu'on l'ait commencé, je sais pas si ça nous permet quand même de la terminer. On va voir ça. Ok, les Pokémon qui sont signalés, faites votre rapport à Rissa. Donc on est bon. On a eu le temps d'en faire 3. À chaque fois, on a le temps en fait d'en faire environ 3. Je crois qu'on était ici, on était au bivouac du Marais. Et donc, on va pouvoir aller lui parler. À Rissa. On a capturé quand même pas mal de Pokémon, hein, là. Elle est là. C'est parti, Rissa. Dis-nous tout. Hello, hello. Alors, Ensi, tu as fini d'inspecter la méga apparition du Marais Carmin. Bravo. Nachara va nous aider. On risque bien de voir des méga apparitions sur la côte Lasuli. Jamais 203, après tout. Et les autres zones ne seront probablement pas épargnées. Alors, j'ai préféré lui en parler. Au travail, allons inspecter les méga apparitions de la côte Lasuli. Gouin ! Toi aussi, tu veux travailler, Gouinfrex ? Ou tu fais ça juste pour manger des baies ? N'empêche, je me demande ce qui lui arrive quand il mange des baies Goav. Comment il fait pour deviner quel Pokémon se rassemble dans une méga apparition ? Un nouveau pouvoir, peut-être ? C'est bizarre, mais peut-être qu'en poursuivant nos recherches, on réussira à résoudre ce mystère. Quoi, nous, Scooby-Doo ? Dites, si vous voulez, j'ai des informations sur les méga apparitions. Ok ! Vraiment ? Ah, j'étais sûr que la chef de clan du clan Perle pouvait nous aider. C'est normal que je me renseigne sur les phénomènes étranges qui se produisent à Isui. Et puis, Rissa est une amie qui m'est chère. Je ferai tout pour lui venir en aide. Ah bon ? On s'était déjà croisés avant, mais on a appris à se connaître pendant le Festival de l'Harmonie. C'est là qu'on a remarqué qu'on avait la même opinion sur pas mal de choses. Notamment sur Adamantin. Aussi, on s'est dit qu'il valait mieux s'entraider, même si on appartient à des clans différents. Bref, c'est pour ça que je suis venu explorer la côte Lasuli. Et j'ai appris que Graham et Garana avaient vu un phénomène étrange assez similaire à une apparition massive de Pokémon. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces méga apparitions ? Eh bien, on dirait un phénomène pendant lequel des Pokémon se réunissent. Peut-être que l'apparition du Grand Palkia a provoqué un changement dans l'espace. Ok, j'imagine que plus de Pokémon à Isui pourraient t'aider à la région à prospérer, mais on n'en sait pas encore assez sur le sujet pour relâcher notre vigilance. Cela pourrait être dangereux si des Pokémon puissants se rassemblaient en horde. Je vais aller prévenir Garana et lui dire de bien faire attention. Ok. Quant à moi, j'ai des choses à faire, mais après ça, je retourne à Rusticité. Retrouve-moi à la porte principale quand tu seras prêt à poursuivre les recherches. Ok. Noix grume, galets noirs et fragments de fer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir se fabriquer des petits trucs. Bon, poteau. Lavande, j'ai capturé 30 Pokémon, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Alors, 18 000. Voilà, ça fait plaisir, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tes recherches semblent bien avoir avancé. Raconte-moi tout. Je vois, tout ceci est fascinant. Boule de nœud, bon, on les avait tous déjà à niveau 10, hein, a priori. Hein. A priori, rien de nouveau. Mais on avance bientôt sur le niveau 10 du clan, hein. Ce serait sympathique, ça. Allez. On va retourner par ici. On va retourner tranquillou par ici. Et moi, il y a un truc, il y a une quête secondaire que je voulais faire. En attendant de continuer un petit peu tout ça. C'était en suspension sur les toits.
On a quelqu'un qui va nous parler des Eoko, si je dis pas de bêtises, qui sont en suspension sur les toits, donc allons-y. Bonjour madame. Excuse-moi, jeune homme. Tu appartiens au corps des chercheurs, n'est-ce pas? Pourrais-tu m'aider à déloger Léoko qui s'est installé chez moi? Comment je suis censé faire? Oui, oui. Il est suspendu sous mon toit sans que je m'en aperçoive. Heureusement, il semble inoffensif, mais je ne suis pas sereine en sa présence. Les Pokémon me font toujours un petit peu peur, tu vois? J'en ai parlé à certains propriétaires alentour et la plupart sont d'accord pour l'héberger. J'aimerais donc que tu accompagnes Eoko dans chacune des demeures pour vérifier qu'il s'y sente bien. Tu es probablement mieux placé que moi pour comprendre ce qu'il veut après tout. Commençons par visiter la maison de l'agriculteur près des parcelles. Peux-tu y aller? Peux-tu y chercher un endroit où Eoko pourrait se suspendre confortablement? Alors, il faut qu'on aille par ici pour trouver un endroit pour Léoko. C'est clairement pas la bâtisse de l'agriculteur, je pense, qu'on pourra... Oh, ok, il pourrait se suspendre ici, non? C'est pas mal, là, non? Oh, non, ça a pas l'air de lui plaire. Oh, la force du vent qui souffle ici semble lui déplaire. Faites votre rapport à Lou. Bon, on va retourner te voir, mais a priori, Eoko, il aime pas cet endroit-là, donc on va voir. Peut-être qu'il y a un autre endroit pour toi. Peut-être y a-t-il un autre endroit. On va voir. Alors, Lou, ça allait pas là-bas. Non, ça n'allait pas, hein, vraiment. Désolé. C'est vrai que la brise qui souffle chez moi est plus légère et agréable. C'est un connaisseur. Eh oh. Dans ce cas, essayons la cabane près de la mer. La brise marine y est toujours vivifiante. Ok, la cabane près de la mer. Allons-y. On se TP sur l'aire d'initiation. Et on va se rendre près de la cabane. Allons-y. Juste ici? Je suis pas sûr que ce soit incroyable hein, ici. Hein. Moi, je pense qu'il va pas kiffer. Hein. Le Eoko. Hein. Eoko. Eoko semble attristé par l'absence d'êtres humains. Ah, d'accord. Il aime bien quand il y a des êtres humains. Ok, je comprends. On parie qu'à la fin, elle va vouloir le garder. On parie qu'à la fin, elle va dire « Bon, finalement, je comprends ce petit gars et je le garde. » Il aime donc les endroits animés, comme je le comprends. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, essayons le dojo. Il y a toujours de nombreux membres du corps de la défense qui s'entraînent là-bas. C'est le lieu le plus animé que je connaisse. Hop, let's go au dojo. Alors, le dojo, donc juste ici, on va examiner. Attends, hop, on examine. Que se passe-t-il? Oh Eoko. Ah, il aime bien là? Il est content? C'est ton Eoko ça? Je peux m'entraîner avec lui, dis? Ah, il aime pas les combats. Eoko ne semble pas apprécier les combats. Ah, mais arrêtez de lui faire peur aussi, là. Ils sont chiants, hein. Toujours faire peur à Eoko. C'est fou, ça. Hein? On est où, là? Bon, allez. Eoko, que se passe-t-il pour toi? Vas-y, dis-nous tout. Oh, pauvre chérie, j'aurais dû savoir que tous les Pokémon n'aiment pas forcément combattre. Tu as dû avoir si peur, Eoko, je suis navré. Eoko! Oh, j'ai l'impression qu'il me dit que ce n'est pas grave. Ai-je bien compris? Oh, je sais. Si nous essayons la maison voisine, elle est quasiment identique à la mienne. J'en ai déjà discuté et Eoko serait plus que le bienvenu s'il veut aller se suspendre là-bas. Ouais, alors, qu'est-ce que ça donne ici? Eoko! Ah, en fait...
Cela me coûte de te dire cela après tous les efforts que tu as mis en œuvre pour m'aider à déménager Yoko, mais je pense le garder à la maison finalement. Voilà, je vous l'avais dit. Grâce à toutes ces péripéties, j'ai appris à mieux connaître Yoko et je pense que nous ferons de très bons compagnons tous les deux. J'ai aussi réalisé qu'entendre la petite voix de ce Pokémon venir du plafond faisait d'ores et déjà partie de mon quotidien et je me sentirais bien seul sans elle. Yoko ! Yoko, j'espère que tu continueras à te plaire dans mon humble demeure. Merci infiniment pour ton aide. C'est un réel bonheur de te savoir dans notre village. Et bah voilà. Et bah merci. Voilà, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout ça. Non mais voilà, bah si on peut rendre service à des gens, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai vu qu'il y avait une quête au dojo là à faire. Donc je vous propose d'essayer de la faire. Ah, il est fatigué. Hein. Il est fatigué à force de courir, mon bonhomme. Il n'arrive pas à courir très longtemps. Ici, il y a une quête. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Belila. Salut, Enti. Nous avons quelqu'un d'unique au corps de la défense. C'est un peu notre arme secrète. Pour dire les choses plus clairement, c'est un expert en combat Pokémon. Que dirais-tu de l'affronter? Avec plaisir. Let's go. L'arme secrète du corps de la défense. Parfait. Attends une seconde. On a entendu votre conversation. Voilà qui laisse présager un beau match entre deux experts du combat. J'ai entendu dire que notre arme secrète peut même réussir à vaincre un baron. C'est qui, c'est Cormier? Tout est prêt, Belila, suis-moi. Pourquoi il a dit Belila? Non, c'est Belila qui a dit tout est prêt, suis-moi. C'est lui? C'est lui l'arme secrète? Et voici notre arme secrète, Oscar. Vous me flattez, Belila. Je ne suis qu'un humble garde. Cela dit, devant ces portes, je demeurerai invaincu. Ok. Wow. Oscar du corps de la défense veut se battre. Wow. Que notre temps? Que notre temps? À niveau 62 quand même, mais que nos torts. Ok. Bon, écoute. Qu'est-ce que je lui fais, moi? Je vais lui faire un vibre obscur. En style puissant, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on n'est pas sensible aux attaques normales, donc ça devrait passer. Ah, il l'a boosté quand même, je pense. Ballombre. Oh, il a ballombre. Ok, pas mal. Il va en faire un deuxième. Et à deux doigts de se faire rouler dessus par un Kenotaur. Eh oh. Bon, normalement, voilà, normalement il tombe le Kenotaur. Mais bon, je vous avoue, j'étais pas serein. Alors ensuite, ça passe sur un Lixie. Lixie qui nous fait un style rapide, nous fait mâchouille et qui va nous mettre KO nos petits noirs. Ok, pas mal. Déjà, pas mal de sa part. Allez. On va envoyer Grolem, on va voir ce qu'il peut nous faire. Lixie n'est pas plus rapide. Commençons par un piétisol en style rapide. Pour voir combien ça enlève. Nice, c'est très très bien. Un autre piétisol en style rapide. Et ce sera bon pour le Lixie. Ah, le Kenotaur, il nous a fait peur. Hein. Et il nous a fait un peu peur. Hein. En vrai de vrai. Et ensuite Oscar envoie Étourmi. Alors on doit pouvoir garder Grolem, hein, justement. Putain, il fait 3 attaques. Vive attaque et vent mauvais. Il a fait 3 attaques à la suite. Je regarde un petit peu hein, ce qu'on peut faire. Et Boulon, on peut en faire 2 de base. Et en style rapide, on peut aussi en faire 2. Donc autant en faire. Autant faire normal. Et ok, ça tombe KO. Ok, bon bah c'est parfait. C'est parfait. On avait juste pas le bon Pokémon sur le premier, quoi, c'est tout. Combat terminé. En tant que garde, je pensais mes défenses solides, mais tu m'as complètement submergé. En vrai, ils étaient forts ces Pokémon pour des Pokémon de niveau 1. En soi.
Rien à dire, tu as été incroyable. Enfin, de base, je voulais dire. On sent bien qu'en affrontant tous ces Pokémon durant tes recherches, tu as pu développer une force extraordinaire. Quand je suis devenu garde, ma première mission fut de capturer des Queenotor qui s'étaient infiltrés dans le village. Puis jour après jour, je devais repousser tous les autres Pokémon qui tentaient de faire pareil. Et je me suis parfois fait taper sur les doigts pour en avoir laissé entrer. Certains sont devenus mes partenaires et grâce à eux, je suis peu à peu devenu plus fort. Finalement, j'ai fait tout ça uniquement pour protéger les miens. Après tout, c'est mon rôle, n'est-ce pas ? Maintenant que tu connais ma petite histoire, je me permets de te rappeler un conseil. Fais bien attention lorsque tu t'aventures à l'extérieur. Sur ce, je retourne garder les portes du village. Boum, l'arme secrète du corps de la défense, c'est chopé. On va pouvoir déposer ici hein, tous les petits trucs qu'ils nous ont donnés et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, notamment par exemple le rocher fort, tu vois, ça nous saoule un petit peu. Donc ça, c'est les Begowav. Très bien. Donc on en a bien récupéré, hein. Regardez sur les spectrums. Parce qu'on en avait 20 des Begowav. Il en a mangé 5, ça fait 15. Et donc du coup, on en a récupéré 9. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On a pas mal de fragments de fer, on a pas mal de galets, on a pas mal de noix grumes, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir se fabriquer des bowls un petit peu à foison, j'ai envie de vous dire. Ça c'est pas trop mal. Je voulais juste regarder avec quoi se font les boules gluantes. Les boules gluantes, elles se font avec une boule de boue, quatre boules de boue. Non, attends, si quatre boules de boue, pourquoi un, attends, ressources nécessaires. 4. Non, d'accord. Pardon. Une boule de boue. J'ai vraiment du mal. Une boule de boue, une noix grume rongée et une feuille ronde. Donc là, ça veut dire qu'en soi, je peux en faire 4. Ah, je peux déjà faire des boules gluantes. Donc ça, ça fait plaisir. Et donc, je voulais regarder. Mais normalement, dans les objets, on va pouvoir se confectionner aussi d'autres hyperboles. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, des hyperboles, on peut s'en confectionner pas mal. On peut aussi se faire des Super Balls. En vrai, les Super Balls, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, je propose de se faire quelques Super Balls quand même. Genre une 36aine. Ça ne se dit pas. Et qu'on fasse pas mal d'Hyper Balls. Comme ça, on sera bien pour cette petite session de capture qui nous attend. On va bien entendu gérer les objets. Ok, ils sont dans le bon ordre. On a ça, ça, ça. Ça, et il faut juste que je mette mes boules gluantes, qu'on les déplace, et je préfère les avoir là, comme ça, et on va acheter quelques boules gluantes, parce qu'encore une fois, c'est une ressource qui nous est importante. Hop, les boules gluantes, on va en acheter, bah, on va en acheter encore une trentaine, hein. Encore une trentaine de boules gluantes, c'est good. Et donc, on va pouvoir continuer. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode, les amis. Le prochain épisode de Légende Arceus, dans lequel nous irons continuer à aller sur la côte Lazuli pour découvrir les méga apparitions. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutty Tuff et bye tout le monde.